Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Comme vous pouvez le voir ici encore. Mais depuis hier, Dieu me demande de vous parler d'une chose. Une chose qui va vraiment conseiller les gens, qui va amener beaucoup de personnes à se repentir aussi. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. La route du succès. La route du succès. C'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de quoi? De la route du succès. La route du succès est divisée en deux aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une route où quand vous arrivez, vous devez faire un choix. Vous devez faire le choix entre la route qui va à gauche et la route très mince et qui va à droite. C'est comme la main gauche et la main droite, quoi. Et c'est un chemin facile qui est déployé sur la route gauche, un chemin de la facilité, de la simplicité pour avoir tout ce qu'on recherche, bien évidemment la thune, la gloire, le succès, mais ce n'est pas sans danger, ce n'est pas sans danger. Et de l'autre côté, la route étroite qui se trouve à droite, ça c'est un chemin difficile. Et un chemin vraiment très dur. C'est le chemin où souvent on se pose des questions à savoir, ah, est-ce que c'est même Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que ce que je dis de faire là, Dieu me soutient dedans? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que mon projet va marcher? Est-ce que c'est pas moi ici à la base de mon problème? Est-ce que c'est pas moi ici à la base de ma chute? Et est-ce que j'ai même chié à l'église? Et est-ce que j'ai même pissé à l'église? Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que à un moment donné, vous ne voyez rien réussir parce que c'est un chemin vraiment difficile. Un chemin vraiment très 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 dur. C'est là même où vous amassez petit à petit pour pouvoir grandir. Sinon on dit, c'est là que vous amassez 5 francs pour pouvoir réussir. Tu amasses 5 francs pour pouvoir avancer. Si tu as amassé 10 francs, tu gardes 5 francs. Et tu manges les 5 autres francs là. C'est-à-dire que là, tu apprends à gérer. Tu apprends à faire quoi? Tu apprends à gérer ton argent. C'est même le lieu où tu comprends que nous ne sommes pas tous pareils sur la terre. D'autres vont dire, ah, chacun a sa classe. Chacun a son niveau. C'est même le lieu où tu comprends que tout, la vie n'est pas rose. Et que la vie est dure, il faut être intelligent pour survivre. Là, on parle de survie. Parce que c'est une route vraiment difficile. Mais au fond, juste là au bout là-bas, se trouve Dieu. Dieu des cieux, Dieu de la terre, qui t'a demandé de souffrir et de travailler à la sueur de ton front pour pouvoir manger là. C'est lui qui se trouve au bout de ce chemin-là, qui est difficile. Et à un moment donné, là-bas, il va te donner quelque chose qui va changer ta vie à tout jamais, ainsi que la vie de ta progéniture, de tes enfants, de tes petits-enfants et les générations futures. Mais ce ne sera pas si facile que ça. Parce que, bien évidemment, c'est un chemin qui... difficile, un chemin vraiment dur,
mais c'est le bon chemin. Le chemin le plus utilisé ces temps-ci là, c'est le chemin de la gloire facile, le chemin facile pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire avoir sur cette terre. Comme quoi? Comme les grandes maisons, beaucoup d'argent et plein de choses que vous connaissez, que vous ignorez. Sur ce chemin-là, les gens sont prêts à faire tout ce qui est à leur possible pour pouvoir réussir rapidement, même s'il faut faire le plus grand péché de la Bible, même s'il faut tuer quelqu'un, même s'il faut tuer plusieurs personnes, ces gens-là sont prêts à le faire parce que ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à leur tête, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur bouche. Eux, tout ce qui est dans leur intérêt, c'est de pouvoir réussir et accomplir tous leurs désirs les plus mauvais de la planète. C'est même ça, ce chemin-là, qui se trouve à gauche. On va dire que c'est le chemin de la facilité. Mais comme tout n'est pas si facile, on va dire que ce chemin aussi est un peu difficile parce que tuer quelqu'un quand même, c'est pas facile. Même si c'est facile pour certaines personnes. Mais vous allez comprendre à la fin. Parce que le problème avec ce chemin là, c'est que à la fin, juste là, à la fin, là, aïe aïe aïe, on va dire que ça finit mal. Ça finit mal. Le problème c'est que ça finit mal. Je suis en train de vous parler de la route du succès, qui est divisé en deux. Le chemin qui est à droite, je vous en ai parlé. Là, Dieu se trouve devant après les difficultés pour vous bénir, changer votre vie. Mais le chemin qui est à gauche ne l'empruntez jamais. C'est le chemin de la facilité. Et beaucoup de personnes sont sur ce chemin-là. Beaucoup de personnes sont sur ce chemin-là. Comment identifier les gens qui sont déjà sur ce chemin-là? C'est ce que je vais vous dire maintenant. Écoutez-moi bien. Dieu nous demande de faire quoi? Dieu nous demande de travailler à ceux de nos fonds pour avoir notre gène, pour avoir notre argent. Non? Mais il y a des gens qui ont décidé de voler. Ces gens-là sont classés sur ce chemin-là, ce chemin qui est à gauche, le chemin de la facilité. Maintenant, ceux qui se nourrissent du malheur des gens pour pouvoir réussir, là, où sont-ils placés? Ils sont placés aussi à gauche. Regardez un exemple très simple. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut réussir. Mais c'est pas toujours facile. Tellement c'est dur, les gens sont prêts à tout pour pouvoir se faire voir, pour pouvoir se faire connaître. Et c'est en ce moment-là, les clashs vont naître. Les insultes, dénigrer l'autre, pour qu'on parle seulement de moi. Quelqu'un va insulter l'autre personne, quelqu'un d'autre, uniquement pour qu'on puisse parler de lui. Non, toi tu es comme ça, toi tu as kikinette, toi tu es un PD, toi nous tous on te connaît, que des méchancetés, juste pour que les gens pensent que la personne qui est en train de parler là, si elle parle ainsi, c'est que elle est bien, quoi, elle est extraordinaire. Mais c'est une stratégie pour pouvoir régner, c'est ce qu'on appelle souvent chez nous. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Ces gens-là sont sur le chemin gauche, le chemin qui est à gauche. Genre, tu divises le peuple, tu divises les gens, tu divises les fans, tu divises tout le monde. Là où tu es, là où tu passes, il faut mettre la division. Parce que toi, tu ne fonctionnes que par ça, quoi. Et tu fonctionnes, tu travailles avec cet esprit-là, l'esprit de la division. Tu dois diviser les gens pour pouvoir régner, pour qu'on ne parle que de toi, que de toi, que de toi, que de toi, que de toi. Et c'est toujours toi qui es en guerre contre tout le monde. C'est toujours toi qui es en guerre contre la planète entière. Parce que tu veux ça pour survivre. C'est de là que tu viens ton pouvoir, tes pouvoirs mystiques. Et quand on parle de pouvoir mystique, là c'est encore grave. Parce que les féticheurs vont entrer dans ça. Les occultistes sont entrés dans ça, les ritualistes, les satanistes. Ils sont tous à gauche. Ils sont tous à gauche carrément. Alors que nous travaillons dur sous le soleil. Alors que nous travaillons dur sous le soleil comme ça. Regardez le soleil.
Regardez. Qui peut accepter de sortir comme ça sous le soleil, puis parler à ses frères et soeurs, aux abonnés, pour leur dire, écoutez, il y a deux chemins, choisissez le bon chemin, même si c'est dur. Le bon chemin, là, se caractérise par travailler à la sueur de ton fond pour avoir ton jet, travailler à la sueur de ton fond pour avoir ton argent. Ça c'est le bon chemin. Mais c'est pas facile, mon frère. Il y a la galère dedans. Il y a les injures. Les gens vont te manquer de respect. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et même il y a les sorciers, même sur le chemin. Les sorciers. Des sorciers. Oui. Même parmi tes gars, il y a des sorciers aussi dedans. Ils sont même sur le chemin. Même dans ta famille, hein, les sorciers. Eux sont sur le chemin. Quand ils savent que tu as porté le temps, tu as pris le bon chemin, ils vont venir te détourner. Ils vont essayer de te détourner du bon chemin. T'amener sur un chemin que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Mais fais attention. Allez, mon fils, viens chez papa. Mais fais vraiment très attention. Allez, mon petit, viens chez papa. À ne pas te laisser avoir par les mauvais amis et de mauvais conseils. Tout ça pour te conseiller aujourd'hui, pour te dire fais attention, mon frère, là où tu mets les pieds. Faites très attention, les frères et sœurs. Si vous avez aimé la vidéo, laissez tous des j'aime, abonnez-vous et puis dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez une deuxième partie, priez que Dieu m'inspire et puis je vais faire une autre vidéo. C'est Dieu seul qui m'a demandé de faire ça et je l'ai fait. Mais ce n'est pas moi qui parle, hein. C'est Dieu qui est en train de parler parce que moi-même, je suis un être humain comme vous. Ok, rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.